Muy buenos días a todos, todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra primera audiencia pública de este periodo de sesiones número 171. Les agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes aquí el día de hoy. Principalmente saludamos a los peticionarios, a los representantes de la sociedad civil. Más adelante les pediremos que se presenten. Lamentamos mucho la ausencia en esta sesión de representantes del Estado haitiano. La Secretaría Ejecutiva no ha recibido ninguna información sobre la razón de su ausencia. Sin embargo, es muy importante escuchar a la sociedad civil, que nos hablará alrededor del tema de denuncias de impunidad y violencia contra las mujeres en Haití. Y esto nos va a permitir tener un poco más de tiempo a favor de la sociedad civil para que puedan presentar temas de gran interés y preocupación para la comisión. Me acompañan en esta mesa, a mi derecha, la comisionada Margaret May McCullough, quien es relatora para los derechos de la mujer. También se encuentra presente la comisionada Flavia Piovesan y la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la doctora Soledad García Muñoz. También están aquí presente la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Preciso que el mandato de la comisionada McCullough, además de derechos de la mujer, ella también es relatora para personas afrodescendientes. Entonces, en esa doble calidad se encuentra aquí. Sin más, le damos la palabra hasta por 20 minutos a los representantes de la sociedad civil, pidiéndoles que se presenten. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et bonjour, Mesdames les Commissaires. Je suis Apollinaire Fotso, chef de mission d'Avocats sans frontières Canada en Haïti. Je suis accompagné à ma gauche de Madame Monique Kleska, défenseuse des droits humains, en même temps représentante de l'Association de défense des droits des femmes en Haïti, dénommée CAIFAM. Mais pour la circonstance, elle représente également deux autres associations, l'association SOFA et l'association Femmes Décidées. Juste après elle, Madame Natacha Dassiné, coordonnatrice de projet à l'OPC. Je précise que l'OPC, c'est l'Institution nationale des droits humains en Haïti, et dont elle représente cette institution ici aujourd'hui. Et à ma droite, Madame Taina Noster, agent de projet et de programme de communication et de plaidoyer Avocats sans frontières Canada, également en charge de l'appui aux partenaires et aux associations de la société civile. Et à sa droite, Madame Marie-Philippe Métivier, conseillère juridique volontaire Avocats sans frontières Canada, et en même temps en charge de l'appui aux associations de la société civile et à l'OPC. Et derrière moi, Madame Angela Calix, chef de service de la protection des femmes et des enfants à l'Office de la protection des citoyens en Haïti. Monsieur le Président, Mesdames les Commissaires, Avocats sans frontières Canada et ses partenaires ici présents constatent que les violences faites aux femmes et aux filles en Haïti sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. Nous constatons également que la réponse apportée à cette recrudescence de la violence, aussi bien en termes de prévention, de répression que d'accompagnement des femmes victimes de dites violences, est insuffisante et parfois inexistante. La réponse est insuffisante parce que le cadre normatif et institutionnel ne protège pas assez les femmes. La réponse est également insuffisante parce que l'environnement sociologique, parfois instrumentalisé, ne permet pas de juger, de condamner les auteurs de violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour faire état des vives préoccupations quant à la satisfaction par l'État haïtien de son obligation d'assurer l'égalité de tous ses citoyens et de toutes ses citoyennes devant la loi, ainsi que de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, je voudrais passer tout de suite la parole à ma voisine de gauche, Madame Monique Lesca, pour en parler davantage, pour vous présenter le contexte dans lequel nous nous trouvons, effectivement. Et Monsieur le Président, Mesdames les Commissaires,
Plus d'une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles en Haïti, pays caribéen d'environ 11 millions d'habitants, parmi lesquels 52% de femmes. Ce sont des données, mais il y a des visages derrière ces chiffres. Elles s'appellent Nice, Marlène, Samantha, Sophia, Ghislaine, Marie et tant d'autres. Elles subissent toute forme de violence, physique, sexuelle, économique, verbale et psychologique. Ça commence dès leur plus jeune âge et ça entraîne trop souvent leur mort. Elles sont le plus souvent les plus pauvres et celles qui ont le moins d'éducation. Pire, seule une sur quatre femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles déclare avoir recherché de l'aide, ce qui a pour conséquence d'une part de fausser les données et d'autre part l'impossibilité de leur fournir de l'aide. Les autres ne viennent pas chercher de l'aide, mais celles qui viennent, quel que soit leur milieu ou rang social, font face à un mur d'impunité de l'État haïtien. Haïti n'a pas de justice, a crié une femme samedi dernier, après que la police ait tué par erreur son fils de 14 ans, faisant écho à notre plainte ici aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames les Commissaires, les statistiques et le nombre croissant de plaintes reçues permettent de constater une augmentation considérable de la violence faite aux femmes et aux filles en Haïti. Au cours de l'année 2016-2017, une étude a démontré, au niveau de violence physique, sur chaque trois femmes haïtiennes âgées de 15 et 49 ans, une a été victime, et ce, depuis l'âge de 15 ans. Pour la violence sexuelle, une femme sur huit, soit 12%, déclare en avoir subi à un moment quelconque de sa vie. La violence conjugale, une femme sur trois, non célibataire, déclare en avoir subi diverses formes par leur mari ou partenaire. Ça fait 34% par rapport à 22% en 2005-2006. Durant l'année 2018, CAIFAM a enregistré 192 cas de violence basés sur le genre perpétrés à l'encontre de 112 personnes, 44 mineurs et 68 femmes. En 2018, dans cinq bidonvilles de la capitale où sévissent des gangs armés qui se sont érigés en base, le Sangeskio a enregistré 792 cas de violence sexuelle de filles et femmes en une seule année. Un seul quartier. Les victimes vivent avec la peur et souffrent profondément, des fois toute leur vie. Certaines ont des séquelles physiques, d'autres psychologiques. Une autre conséquence est un manque à gagner économique pour elles. Mais quelles sont les causes de la violence faite aux femmes en Haïti? Primo, les inégalités basées sur le genre. Dès l'enfance, la fillette haïtienne apprend que l'homme est le chef. De plus, les femmes sont souvent dépendantes économiquement de l'homme, donc a tendance à accepter des comportements néfastes à sa santé. C'est simple, une femme sur cinq, soit 17%, pense qu'il est légitime pour leur mari de les battre si elle refuse une relation sexuelle ou si elle sort sans permission. Et presque tous les acteurs du système judiciaire sont du sexe masculin. Segundo, les enjeux culturels, telle l'omniprésence de la religion qui prêche la soumission de la femme au mari. Trois, la question de la classe sociale. La majorité ne parle pas le français, mais c'est le langage utilisé le plus souvent par le système judiciaire. Quatre, puisque les hommes restent impunis, ils continuent en toute impunité à violenter les femmes. Les commissaires, Monsieur le Président, je vous présente quelques exemples à titre d'illustration des facteurs qui entravent les plaintes et le progrès des dossiers. Prenons l'exemple de la maire de la commune de Tabar, Mme Nice Simon, qui a été sévèrement battue par son compagnon dans la nuit du 1er octobre 2018. Publiquement, Mme Simon a avoué que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait l'objet d'agressions physiques de la part de son partenaire. Notez bien, un, son conjoint, réputé proche du parti politique au pouvoir, était en cavale pendant 3 mois, malgré l'émission d'un mandat d'amener par la justice. Deux, malgré les chefs d'accusation retenus, tentative d'assassinat, kidnapping, voie de fait, le juge d'instruction saisi de l'affaire a requalifié les faits en simple délit
et le mandat d'arrêt a été d'office annulé. La violence subie par Mme Simon a été banalisée et des actes criminels ont été traités en simple délit par le juge. De plus, elle est menacée publiquement, donc sa sécurité est en danger. Prenons l'exemple de Marie, écolière mineure, qui s'est plainte d'avoir été quotidiennement violée pendant 9 mois par son père biologique quand elle a été vivre avec lui d'octobre 2016 à juillet 2017. Elle a également subi des violences physiques et psychologiques de façon continue. Elle a dû arrêter l'école à cause des menaces contre sa personne. Le 9 octobre 2017, Marie a déposé une plainte contre son agresseur avec constitution de partie civile au tribunal de première instance. Le dossier a été traité par le commissaire du gouvernement. Mais notez que le père de Marie était substitut du commissaire du gouvernement. 10 mois après avoir été chargé de l'enquête, le juge d'instruction quitte ses fonctions sans avoir remis son rapport d'investigation. Selon la loi, il avait un délai d'un mois pour le rapport et de 2 mois pour la réalisation de l'instruction. Aucun délai imposé n'a été respecté. Suite à la nomination d'un nouveau juge, Marie a été rappelée au cabinet pour une reprise de l'instruction. Une fois de plus, elle a été contrainte de confronter son agresseur. En janvier 2019, le rapport de l'instruction n'est toujours pas réalisé, contrairement à ce qu'indique la loi. De plus, Marie a reçu des pressions de sa famille afin d'abandonner les poursuites légales, notamment de son oncle, le frère de l'agresseur, qui est un ancien ministre. Depuis maintenant 1 an et demi, Marie vit cloîtrée dans un centre d'hébergement sans soutien familial, pendant que l'accusé, son père, continue tranquillement d'enseigner dans les écoles de la capitale. Prenons enfin l'exemple de l'affaire Raymond. Accusé de viol sur la personne de son assistante, Raymond, haut responsable de l'État, a vu son dossier déféré en instruction. Plusieurs étapes sont franchies et une interdiction de départ a même été émise à l'encontre de l'accusé. Mais le juge a subi des pressions et des menaces des membres du gouvernement et de l'appareil judiciaire. Il capitule et classe l'affaire en prononçant un non-lieu. Sous pression des organisations de la société civile, Raymond a dû démissionner, mais le voilà nommé à un autre poste de grande responsabilité de l'État. Le constat est sans appel. En plus du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, les plaignantes font face à des incroyables pressions extérieures et à des influences de ceux au pouvoir qui visent à les déstabiliser. En conclusion, malgré les dénonciations, les plaintes et la clameur publique, les victimes sont encore en attente de justice dans une société qui cherche avant tout à justifier l'acte répréhensible au lieu de le condamner et d'accompagner et de protéger la victime. Monsieur le Président, Mesdames les Commissaires, nous disons que le concept de justice n'est pas respecté par l'État haïtien. Pourquoi on est arrivé là ? À vous, Madame Tania Noutet. Merci beaucoup, Madame Kleska. Alors, comme évoqué plus haut par Maître Apollinaire Fotso, le cadre légal et institutionnel ne permet pas de répondre efficacement aux violences faites aux femmes en Haïti. Alors, ici, nous allons aborder 3 aspects de la question. Il y a d'abord le côté normatif, ensuite l'environnement institutionnel, et enfin, la faible réponse de la justice aux violences faites aux femmes. On commence par le plan normatif. Au plan normatif, certes, Haïti a ratifié des instruments juridiques internationaux majeurs en matière de protection des droits des femmes, mais on constate qu'en dépit de ces engagements internationaux, malheureusement, il n'existe pas de législation spécifique interdisant et punissant toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Un avant-projet de loi sur la prévention et la répression des violences faites aux femmes, initié par le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, et soutenu par l'ensemble des associations des droits humains,
a été déposé au Parlement en 2015, mais il n'a pas été soumis au vote des parlementaires. Un nouveau projet a été déposé depuis mai 2018 à l'initiative de la seule femme sénatrice au Parlement. Bien que jugé recevable, ce projet n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour. Le code pénal, vieux et inadapté, puisque promulgué en 1835, est en cours de réforme depuis plusieurs années, et en attendant l'adoption d'un nouveau code, malheureusement, encore une fois, beaucoup de violences contre les femmes ne sont pas incriminées dans le pays. Il en est ainsi, par exemple, du harcèlement sexuel et du harcèlement moral qui ne sont pas incriminés en Haïti. Quelques incriminations permettant de sanctionner les violences dont les femmes et les filles sont victimes existent de manière dispersée dans d'autres textes de loi comme la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes ou encore le décret de 2005 sur les agressions sexuelles. Mais cette dispersion des rares dispositions légales sanctionnant les violences faites aux femmes ne facilite pas leur maîtrise par les acteurs et actrices judiciaires et limite la lutte contre les dites violences. Nous allons aborder le deuxième aspect, l'environnement institutionnel. L'environnement institutionnel n'est propice ni aux réformes législatives, ni à une avancée de la jurisprudence. Nous nous expliquons. Le très faible nombre de femmes au Sénat et à la Chambre des députés, soit 5 femmes sur 146, ne facilite pas les réformes législatives favorable aux femmes, tout comme le faible pourcentage de femmes policières et magistrates, soit moins de 7% des effectifs, ne facilite pas non plus l'émergence d'une jurisprudence marquée contre les violences faites aux femmes. Les acteurs et actrices ne sont ni bien formés, ni bien équipés pour traiter les affaires de plus en plus violentes de violences faites aux femmes. La plupart des commissariats n'ont pas de locaux séparés pour assurer la protection des victimes lorsqu'elles viennent porter plainte. Les tribunaux n'ont aucun cadre approprié pour l'accueil des victimes et, de manière générale, aucun service de protection des victimes et des témoins. Il n'existe pas encore de mécanisme efficace d'aide légale permettant aux femmes vulnérables d'avoir accès à la justice. Certes, une loi créant un mécanisme national d'aide légale a été publiée en octobre 2018, mais ce mécanisme n'est toujours pas opérationnel et aucun budget n'est actuellement disponible pour sa mise en place. Le troisième et dernier point que nous souhaitons évoquer ici, c'est la faible réponse de la justice aux violences faites aux femmes. L'attitude peu professionnelle de certains fonctionnaires de l'appareil judiciaire qui sont en contact direct avec les femmes victimes de violences nuit gravement à l'accès à la justice de ces dernières. Ces attitudes négatives dissuadent les victimes de suivre les étapes ultérieures consécutives au dépôt de plainte et renforcent la déperdition judiciaire. Par exemple, les victimes refuseront de témoigner au procès si leur dossier arrive à franchir cette étape juste par peur d'être humiliées publiquement. Cette situation conduit à la déperdition judiciaire, justifie le recours à la médiation et contribue à la banalisation des violences faites aux femmes et aux filles. La déperdition judiciaire qui est l'écart entre le nombre de plaintes déposées à la police et le nombre d'affaires, atteignent la phase du jugement. Une étude des Nations Unies a démontré en 2012 que le taux de déperdition est très élevé et que très peu d'affaires dont la police est saisie atteignent cette phase de jugement. La déperdition
C'est aussi dû au fait que beaucoup de policiers, de policières aussi, et magistrats considèrent les violences faites aux femmes comme une affaire privée et ont tendance à pousser les victimes vers la médiation. La dernière manifestation, mesdames, messieurs, de l'impunité que nous souhaiterons soulever ici est la banalisation des cas de violences faites aux femmes par les juges qui se fait à travers la requalification des faits, comme l'a mentionné Mme Kleska. Les juges haïtiens recourent difficilement à la requalification pour les autres infractions et condamnent régulièrement les gens ayant commis des infractions de moindre gravité à des peines criminelles. Mais curieusement, ils recourent presque systématiquement à la requalification pour les crimes commis contre les femmes, et c'est ainsi que les rares peines prononcées contre les auteurs de violences faites aux femmes sont toujours dérisoires et le ministère public ne fait jamais appel. Cette banalisation envoie un signal négatif à l'ensemble de la société qui a finalement tendance à tolérer les violences faites aux femmes. Et là, nous cédons la parole à Natacha Dassiné de l'OPC qui va vous présenter nos recommandations. Merci, Madame Noustien. Monsieur le Président, Mesdames les Commissaires, avant de vous présenter les recommandations qui ont été formulées par les demandeurs, permettez-moi de vous dire que l'OPC, qui est l'Institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, créée par la Constitution haïtienne, est en train de donner le ton en ce qui concerne l'équité de genre, aussi bien dans sa planification que dans la responsabilisation des femmes. L'OPC souhaite vivement que l'État haïtien puisse emboîter le pas. À la lumière de l'exposé qui précède, Monsieur le Président, Mesdames les Commissaires, l'OPC, CAIFOM et Avocats sans frontières Canada soumettent respectueusement les requêtes suivantes à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. 1. Rappeler à l'État qu'il incombe de sa responsabilité d'assurer la protection des droits des femmes et de s'assurer qu'à aucun moment les femmes fassent l'objet de discrimination. 2. Rappeler à l'État qu'il doit garantir l'indépendance judiciaire et s'assurer que les femmes victimes de violences puissent avoir accès à la justice et bénéficier d'un procès équitable. 3. Inciter l'État haïtien à mettre en application le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, plan de 10 ans, 2017-2027. 4. Exhorter l'État haïtien de consacrer une portion plus importante de son budget pour le fonctionnement adéquat du système judiciaire et d'adopter des mesures concrètes afin de rendre le dit système efficace. 5. Inciter l'État à mettre en place un service d'information pour la collecte et le traitement des données sur les violences faites aux femmes et aux filles. Exhorter l'État haïtien de mettre en place des mesures et des infrastructures afin d'assurer la protection des femmes et des filles victimes de violences. 7. Exhorter l'État d'intégrer dans les curricula de formation des policières et des magistrates un module sur les inégalités basées sur le genre et le traitement des affaires de violence faites aux femmes. 8. Recommander à l'État d'adopter des mesures urgentes afin d'augmenter le nombre de femmes au sein de la police et de la magistrature. Et en dernier lieu, recommander à l'État la mise en place de programmes de communication pour sensibiliser la population sur les droits des femmes, ainsi que sur les causes et les conséquences des violences faites aux femmes, en vue de parvenir à un changement des normes sociales. Merci. Muchas gracias a la distinguida representación de la sociedad civil por esta presentación tan completa sobre la situación de violencia, impunidad contra las mujeres en Haití.
Como decía al principio, lamentamos mucho la ausencia del Estado, pero hemos tomado muy, muy debida nota de lo que aquí ha expresado y tenemos a nuestra disposición el resto de esta hora para entablar un diálogo con ustedes. Estoy seguro que hay todavía mucho más información que proporcionar en esta segunda parte de nuestro diálogo a partir de las preguntas que generen mis colegas participantes en la mesa. Entonces, no tenemos esta limitación del tiempo, sino únicamente la que está marcada en nuestro calendario. Quiero darle en primer lugar la palabra a la comisionada Margaret May McCauley. Como dije antes, ella es relatora para derechos de la mujer y para los derechos de los afrodescendientes. Comisionada. Thank you very much, Mr. First Vice President. Muchas good gracias, morning. Presidente y primer vicepresidente. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Okay. This is a serious situation which has been occupying the Commission's concern and interest for a great number of years. Es una situación grave que ha sido de preocupación y de interés de la Comisión durante muchos años. And since I joined the Commission, it has been a matter of great concern that desde que yo estoy en la Comisión es un asunto de gran preocupación. Because I have to say, in all honesty, the level of sexual violence and violence generally against women and girls in Haiti. Porque tengo que decir honestamente que los niveles de violencia sexual y violencia de género se han incrementado significativamente en Haití. Cries out to me and to my colleagues when we discuss it for urgent action. Para mí y para mis colegas, eso significa que se requiere una acción urgente. However, because of the various, various unfortunate incidents and activities, both from the weather, natural causes, and from political changes or incidents in Haiti. Sin embargo, debido a una serie de incidentes y actividades lastimosos en Haití, debido a causas naturales y también debido a cambios políticos, we haven't been able to go to Haiti and give the matter the attention that it needs. No hemos podido ir a Haití y prestar la atención debida a este tema. In fact, it's not only a concern of the Commission, it was also of the Inter-American Court when I was a judge there. Y de hecho, esto no es solamente una preocupación de la Comisión Interamericana, también fue una preocupación de la Corte Interamericana cuando yo era juez ahí en la Corte. That the court, we had to suspend the hearing of a case which had been set down to be heard because of the situation at the time in Haiti. En la corte tuvimos que suspender una audiencia de un caso que estábamos viendo debido a la situación en Haití. We are, however, determined to go to Haiti this year with the consent of the government, because we wish to talk not only with civil society and work with civil society, but with all the authorities of government. Sin embargo, estamos decididos de ir a Haití este año, obviamente con el consentimiento del gobierno, porque no solamente queremos hablar con la sociedad civil, también queremos hablar con todas las autoridades en Haití. And we are happy to have funds from Canada to be able to do this so that we can go speak and work with the government officials. Y estamos muy felices de poder contar con fondos de Canadá para poder realizar esta visita y para poder hablar y trabajar con diferentes partes. And also do some training, because training can never be finished in one go.
do some training with officials and civil society. Y también vamos a tener capacitaciones, formaciones con la sociedad civil y con los funcionarios. There is so much which needs to be done, as you have pointed out. Como ustedes han dicho, hay tanto por hacer. So we need to work closely in close partnership to be effective. Eso significa que tenemos que trabajar en una estrecha alianza para poder ser eficaces. As the rapporteur of women's rights, I believe fervently and passionately that no man has the right to put their hand on a woman without a woman's consent. Como relatora en el tema en materia de derechos de la mujer, yo creo con pasión y con firmeza que ningún hombre tiene el derecho de poner la mano en una mujer. And to do that to young girls and adolescents is even so egregious that the law has to deal with these people extremely hard. And to hear that they do not is annoying, to say the least. Y si esto pasa con las niñas y las jóvenes, esto es realmente malvado. Y la ley tiene que imponer sanciones duras en este tipo de situaciones. Si no lo hace, es realmente una situación preocupante. I would ask you, if I may, for those of you who haven't read the judgment of the Inter-American Court on Juarez, which we call the Cottonfield case versus Mexico, and I was honored to be one of the judges in that case, to read that case and use the orders, directions which the court made to the state, in especially in relation to the police and all officials and the society itself, about what to do to deal with that kind of attitude which seems to exist in Haiti. Quiero pedir a ustedes que lean la sentencia de la Corte Interamericana en un caso que involucró al Estado de México. En esta sentencia, la Corte emite directivas para el Estado de México, sobre todo para las fuerzas policiales, pero también para funcionarios y para la sociedad civil, sobre cómo abordar este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos. And also, I am very happy you talked about training. Very often judiciaries do not like to think that they judges need training, but everybody, we all need training. And we have to train the judges, the judicial officers, the police officers, and it's not only once, it has to be constant, because attitudes have to change. We have to train teachers, nurses, doctors, in fact, every level of society, including the men and women themselves, parents. And so we have to do all this, and children, to understand how they should react to any kind of unwanted touching or interference with their bodies. I thank you for coming to speak with us, but as I say, we will be with you this year, and we look forward to working with you. Thank you. También quiero insistir en la importancia de la capacitación, de la formación. Tenemos que formar, capacitar a los jueces y a los operadores de justicia. A pesar de que a veces los jueces creen que no necesitan capacitación, todos necesitamos capacitación constantemente, los jueces, los oficiales judiciales, las fuerzas policiales, porque se trata de cambiar actitudes. También tenemos que ofrecer capacitación a los médicos, a los profesores y a otros grupos en diferentes niveles de la sociedad. También tenemos que capacitar a las mujeres y los hombres mismos, incluyendo también a los niños, para que puedan entender cómo responder a este tipo de situaciones. Y también quiero dar las gracias a ustedes por estar aquí hoy día y quiero confirmar que este año vamos a estar en una visita a Haití. Muchas gracias, comisionada Macaulay. Quiero darle ahora la palabra a la comisionada Flavia Puevesan,
La comisionada, dentro de sus responsabilidades, es relatora país para Haití. Flavia, por favor. Muchas gracias, presidente. Un honor poder estar aquí y aprender tanto con, ¿no? con un diagnóstico de la grave situación de impunidad y de violencia contra las mujeres en Haití. Yo también refuerzo lo que hablaba nuestra querida Margaret. Como relatora de los derechos de las mujeres, estamos, la comisión está muy empeñada para hacer una visita de trabajo en Haití. Entonces, vamos a lograr hacerlo este año, una visita. Y para esta visita, para el suceso de esta visita, contaremos con ustedes, con la cooperación, ¿no? con la expertise. Y yo pienso que esto calificará nuestra incidencia, la incidencia del sistema interamericano en Haití. Entonces, felicitaciones por visibilizar ¿no? un tema dramático, una grave violación, una situación de grave violación de derechos humanos. Yo tengo tres preguntas. ¿No? ¿Cómo sostenía Margaret el tema de la prevención, del cambio cultural? O sea, en la comisión tenemos el mandato de proteger, defender derechos humanos, pero además promover. Y la promoción es justamente un instrumento de prevención a las violaciones. Entonces, me gustaría escucharlos sobre las medidas adoptadas por el Estado. ¿No? Hay una insuficiencia de medidas, pero en esta línea de prevención de cambios culturales y además también cuáles son las medidas efectivas para el combate a la impunidad y cómo el Estado desarrolla el deber de debida diligencia, el deber de investigar, procesar, punir los casos de violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta los estándares interamericanos, el caso mexicano, el caso Campo Algodonero contra México, incorpora los parámetros, los estándares interamericanos sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género cuando se trata de reaccionar a un caso de violencia contra las mujeres. Mi segunda pregunta tiene que ver con el marco jurídico, ¿no? ¿Cómo está a desarrollar el marco jurídico una ley específica sobre la prevención y combate a las violencias, a la violencia contra las mujeres? ¿Cómo está a desarrollar este punto? Y mi tercera preocupación tiene que ver con el matrimonio forzado. O sea, hay aquí números muy alarmantes de que el matrimonio forzado de niñas, niños y adolescentes sigue ocurriendo en 2 de cada 10 adolescentes. Un 17% de las mujeres cuentan con una primera unión conjugal antes de los 18 años de edad, según las estadísticas, y 31% lo hace antes de los 20 años. Entonces, también para la comisión sería importante comprender cuáles son las respuestas a esta situación también grave de matrimonio forzado. Muchas gracias y estaremos con ustedes este año en una visita in loco en terreno. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Quisiera darle la palabra ahora a la doctora Soledad García Muñoz. Muchas gracias, presidente. También agradecer muchísimo las valiosas informaciones que nos traen a esta audiencia y desde el mandato y considerando las circunstancias también difíciles que está viviendo Haití en estos días, sería de gran utilidad, considero, para la comisión y para el mandato que nos ayuden a comprender cómo toda esta problemática se inserta también en el actual contexto de crisis política, de crisis económica, que deriva igualmente en otro tipo de violencia contra las mujeres que ustedes mencionaron, que es la violencia de tipo económico. En ese sentido, quisiera escuchar de ustedes, en lo posible también, cómo la pobreza, considerando que su país tiene índices muy elevados, que hablan de que de los 11 millones de habitantes, pues por lo menos la mitad estaría sobreviviendo con poco más de $1.50 por día, cómo eso está incidiendo también
en las barreras que encuentran las mujeres para combatir la impunidad y para recibir los servicios y la atención de salud, la educación que se necesita para estar preparada frente a la violencia de género. Este es un tema que ya las comisionadas han puesto sobre la mesa y que me parece fundamental, que los niños y las niñas de Haití necesitan también una educación desde la primera infancia para cambiar los estereotipos culturales que conllevan que esta asimetría de poder entre los hombres y las mujeres de Haití arroje estos números tan, tan dramáticos. Mi tercera y última preocupación es en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, en conexión con las cifras tan alarmantes que la comisionada y relatora de país nos comentaba sobre matrimonios forzados. Yo quisiera escuchar, si es posible también, o que nos amplíen información en materia de salud materna, de violencia obstétrica y otros derechos relacionados con los derechos, otras medidas que existan o no existan en relación con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Solamente para compartir unos puntos de información, como planteó la comisionada relatora para los derechos de las mujeres, uno de las líneas de trabajo centrales de la relatoría en este momento es la lucha contra la violencia contra la mujer, las niñas en la región. Y como ella decía, ningún hombre puede poner la mano sobre una mujer si no es con su consentimiento. Entonces, en ese entendido, solamente compartir con ustedes que se están haciendo una serie de visitas de trabajo y promocionales, y ya la relatoría ha estado en El Salvador, Colombia, Perú, Caribe y Chile, y que tenemos ya fechas para realizar la visita a Haití, que se realizará en los días 27 y 28 de febrero. Entonces, la visita tiene un carácter promocional para realizar actividades con organizaciones de la sociedad civil, diferentes sectores sociales de Haití, pero también tiene la idea de tener reuniones protocolarias con las autoridades. Eso sería como punto de información, comisionado. Muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva Adjunta. Yo voy a tomar solamente dos minutos para hacer alguna apreciación personal. Quisiera más bien escuchar en una segunda ronda a ustedes respondiendo a algunas preguntas que aquí se han formulado. Empiezo por expresar mi solidaridad muy personal, muy sentida, muy cercana hacia la causa que ustedes defienden. Nos han presentado ustedes en breves minutos un panorama sumamente preocupante de la situación por la que pasan las mujeres en Haití. Y nos parece a nosotros que, si bien es importante que el Estado asuma su responsabilidad primaria de proteger a las mujeres en Haití, también es importante movilizar a la cooperación internacional, a las organizaciones internacionales no gubernamentales y gubernamentales, para ir al apoyo de Haití, para ir a apoyarlas a la sociedad civil en esta lucha que ustedes emprenden. Ya mis colegas han mencionado que una parte muy importante de su mandato será una próxima visita. Ha sido difícil poder materializarla en razón de la evolución política de su país. Estamos conscientes de que en este momento hay una crisis que se está desarrollando, pero hacemos votos de que lograrse la reconciliación y que haya condiciones para que pueda realizarse esa visita de manera inmediata. Lo que ustedes nos han presentado, y sobre todo los puntos petitorios que han transmitido, formarán parte, ¿sí?, de esta visita y de esta, del conjunto de temas que hay que observar en Haití para, a partir de ahí, formular recomendaciones. Entonces, hemos tomado debida nota de esas y serán parte del mandato. Yo solamente quisiera abonar un solo punto, saber de ustedes quiénes son los socios con los cuales la comisión puede trabajar, conocer cuál es el trabajo que están realizando algunas otras organizaciones internacionales. Me gustaría saber si UNIFEM
perdón, UN Women tiene, ONU Mujeres tiene un rol, pero también la MINUSJUST, la misión de Naciones Unidas para apoyo a la justicia en Haití, que tiene precisamente un mandato de fortalecer el Estado de Derecho. Y los últimos 10 minutos son de ustedes, estamos a la espera de sus respuestas. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Madame, Mesdames les Commissaires, pour vos observations. Nous avons pris bonne note et nous sommes très ravis de vous accueillir en Haïti d'ici la fin de ce mois. Effectivement, chacune de mes collègues ici va prendre la parole autour de rôle. Mais je voudrais peut-être commencer à la question de la commissaire sur le cadre légal. Comment faire pour améliorer le cadre légal? En fait, comme ma collègue de droite, Tainala, dit tout à l'heure, nous avons déjà un dispositif qui bloque toutes les réformes. Toutes les initiatives prises sont souvent bloquées. Quand vous avez les deux chambres du Parlement qui ont au total 5 femmes sur un effectif de, je crois, 148 personnes. Et quand les hommes restants sont malheureusement peu sensibles, parce qu'il y a des hommes sensibles aux droits des femmes, aux violences faites aux femmes, et quand ces personnes sont peu sensibles, les réformes, il y a déjà eu 2 tentatives en 2015 portées par toute la société civile qui n'a pas marché. Actuellement, nous avons une initiative également qui est supportée par Avocats sans frontières Canada, et nous avons pris la démarche avec nos partenaires, un peu, nous essayons d'expliquer le nouveau projet qui est actuellement devant les parlementaires. Nous essayons de l'expliquer aux différents acteurs, aux différentes parties prenantes, pour qu'ils comprennent qu'il est de l'intérêt de tout le monde de protéger les femmes, d'assurer l'égalité entre femmes et hommes proclamée par la Constitution haïtienne, et également de lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que tout à l'heure, ma voisine, Mme Plesca, vous a dit, les femmes représentent près de 52% de la population haïtienne. Donc, vous avez plus de la moitié de la population dont les droits sont régulièrement violés et de manière impunie. Vous avez également plus de la moitié de la population qui est écartée du système de circuit de production dans un État sous-développé, en développement. Donc vous comprenez que cela compromet également, ça joue un rôle important, d'abord sur la santé, les droits de ces personnes victimes, mais également sur le développement du pays en général. Et donc, effectivement, il y a un lien, j'ai justement voulu embrayer avec les questions, les préoccupations de violences économiques, qui a également été soulevé par Madame la Commissaire, parce qu'effectivement, les femmes, comme l'a dit également Madame Kleska, les violences se recrutent beaucoup plus encore dans les catégories les plus défavorisées. Et comme on l'a également évoqué, en matière de postes de responsabilité, les femmes interviennent justement à des rôles micro-économiques. Donc, elles sont beaucoup plus dans le détail, le commerce au détail, les petites activités, non pas des activités de grandes activités de production, ne sont pas dans les circuits de grande production. Et le plus souvent, avec même des revenus très limités, sont elles qui contribuent au développement de la famille. Et donc, elles se retrouvent dans un cercle vicieux. Elles doivent travailler pour faire vivre leur petite famille. Et le plus souvent, elles sont exploitées parce que, justement, elles doivent tout faire pour faire vivre leur famille. Et donc, c'est une situation, un cercle vicieux. Également, la question de comment assurer la prévention, comment assurer, rendre la protection des droits efficiente, comment faire en sorte que la protection des droits des femmes en Haïti soit réellement efficiente a été abordée. Et je crois que, également, l'une de Madame la Commissaire, les deux aspects ont été évoqués. Je crois qu'il faut renforcer les mécanismes de prévention. Mécanismes de prévention, toutes les organisations ici présentes ont en leur sein des programmes d'éducation citoyenne pour aller vers les populations, les éduquer sur leurs droits, aller vers les élèves dans les écoles, les éduquer sur leurs droits. Avocats sans frontières est en partenariat avec l'Office de protection des citoyens, justement, pour aller un peu partout à travers le pays, dans les zones les plus reculées, éduquer les populations sur leurs droits. Également, aller dans les écoles, parce qu'il faut justement, comme l'a dit Mme Kleska, cette discrimination commence dès le bas âge. Donc, nous essayons de nous attaquer à cela, mais il faut dire que ces appuis des partenaires restent limités s'ils ne s'intègrent pas dans un programme d'État de plus général. Et donc, il faudrait renforcer cela, ces mécanismes de prévention et d'éducation citoyenne. Maintenant, au niveau de la répression, comme cela a été évoqué,
Il y a des faiblesses à tous les niveaux. Il faut dire que l'éducation est au centre de tout, parce que les acteurs et les actrices judiciaires sont très inhibés par les présentateurs socioculturels. Donc vous discutez avec un policier, un magistrat qui vous dit qu'il est tout à fait normal qu'un homme batte sa femme. Alors quand un défenseur de la loi le dit, vous pouvez déjà imaginer sa réponse lorsqu'une femme va venir se plaindre qu'elle a été battue par son épouse. Et donc effectivement, ils sont trop inhibés par les présentateurs socioculturels. Il faut renforcer le programme d'éducation. Et comme également mes collègues l'ont dit, la faible réponse de la justice envoie un message négatif. Lorsque les victimes, les femmes victimes de violences, les quelques rares qui réussissent à obtenir une décision, parce qu'il faut dire que les décisions de justice en la matière sont très peu nombreuses, les quelques rares qui réussissent à obtenir une décision, les peines, les condamnations sont dérisoires. Pour illustrer, il faut dire qu'en Haïti, les magistrats n'aiment pas requalifier les faits. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui sont condamnées pour des petites infractions à des peines très lourdes. Très lourdes pour des petites infractions. Mais lorsqu'il s'agit d'une violence faite à une femme, quelle que soit la gravité de la peine, les magistrats ont tendance à requalifier, à banaliser. Et donc, elles envoient un message à la société que, effectivement, la violence faite aux femmes est une affaire privée, ce n'est pas une affaire très grave. Et donc, les gens peuvent se livrer à la violence. Donc, il faut prévenir, il faut renforcer la répression. Et je voudrais dire quelque chose. Merci beaucoup pour vos commentaires, la solidarité et surtout la compréhension. Et je vous remercie aussi pour la référence au cas donc, du Mexique que nous allons étudier. Et je voudrais dire et juste renforcer qu'on est en train de parler vraiment d'un changement radical au niveau des normes sociales. Donc, c'est pas simplement une question de prévention, c'est vraiment changer l'attitude de la population par rapport à comment on voit les femmes, comment les femmes se voient, comment doivent être les rapports. Donc, ceci dit, et il faut, pour arriver à faire quelque chose de ce genre de manière massive, une transformation de la société, il faut une volonté politique. Et il va falloir impliquer les différents secteurs, les églises et autres, non seulement le système scolaire. Donc, j'avais voulu le dire, ça peut se faire, mais il va falloir impliquer les différents secteurs de la société. Ça peut prendre du temps, mais ça doit se faire. Sur la question du mariage et des enfants, et selon la loi haïtienne, c'est illégal. Donc, ça, c'est une première chose, c'est un premier acquis. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe la majorité du cas? Puisque, et vous avez parlé aussi, je vais le lier à la question de droit et sexuel et santé sexuelle et reproductive, et c'est que, au fait, le grand problème en Haïti, c'est la sexualité précoce. Et on arrive à trouver vraiment des filles et enceintes 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et le lien que je voulais faire avec le mariage des enfants, c'est que souvent, la famille se dit « allons les marier », comme si le mariage, à ce moment-là, pourrait légitimer donc ceci. Donc, sur un problème, on crée donc un autre problème. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose liée aux droits donc, sexuels et reproductifs, et là encore, c'est un problème. Il n'y a pas le budget qu'il faut. Je pense que l'État investit en 2016-2017, c'était environ 4% du budget total qui était sur la santé. Et là, c'est budgétisé. C'est même pas les dépenses. Donc ça, c'est un problème. Il y a aussi 52% de la population qui a accès aux services de santé. Donc ceci dit, ça veut dire qu'il y a moitié de la population qui n'a pas ses droits et à la santé respectée. Donc, pas besoin de dire, donc, pour les questions de droits sexuels et de la santé de la reproduction. Et je pense qu'au-delà donc, de UN Women et de Minijus, il y a aussi le Fonds des Nations Unies pour la population qui travaille sur ce domaine et qui assure aussi un leadership sur les questions de santé et violences basées sur le genre et à travers le monde. Donc, ceci dit, je passe la parole aux autres. Juste un dernier petit point.
Je pense qu'il s'agit de 60% de la population qui vit et avec moins de 2,38 $ ou 30 par là, et il y a 25%, donc un quart de la population, qui vit donc dans l'extrême pauvreté avec moins de 1,50 $. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce sont des données que nous pouvons avoir assez rapidement. Ce sont les données de la Banque mondiale, je pense, pour 2016-2017. Merci. Merci beaucoup pour les commentaires. Donc, on vous attend déjà là-bas. Bienvenue. Et je voudrais juste rappeler qu'il y a beaucoup de partenaires, comme l'a déjà dit Mme Kleska, qui interviennent au niveau de la santé et maternelle et reproductive des femmes. Mais je voudrais aussi mentionner que l'État a déjà consenti un certain effort à travers le ministère de la Condition féminine, qui est doté d'une politique égalité hommes-femmes et du plan de lutte contre la violence faite aux femmes 2017-2027. On a mentionné ces deux éléments-là. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment voir comment l'État pourrait se donner les moyens de respecter cette politique-là, de mettre en œuvre cette politique-là et de mettre en œuvre le plan qui est déjà disponible. Et nous pouvons toujours, au niveau de la société civile, aider à renforcer les activités de l'État. L'autre point que je voulais revenir à la promotion et à la prévention des violences faites aux femmes. La socialisation, ça pose un sérieux problème. On doit d'abord en être conscient pour s'attaquer à la socialisation. Et là, le travail des organisations de la société civile ne suffit pas. Déjà, la société civile est très active, l'Office de protection du citoyen est très actif dans les écoles, comme on l'a déjà mentionné, mais on a également besoin du support de l'État pour systématiser un peu nos actions et permettre vraiment de changer la tendance, de modifier la socialisation qu'on a eue et que les gens aient une autre perception, ou du moins les Haïtiens aient une autre perception de l'Haïtienne, donc disons de la femme. Pues agradezco muchísimo, muchísimo esta presentación. Ha sido un diálogo muy amplio, con muchísima información, que será de gran utilidad para las tareas futuras de la Comisión en la protección de los derechos de la mujer en Haití. Les agradezco mucho su presencia y termino agradeciendo al Estado bolivariano, perdón, al Estado plurinacional de Bolivia, haber hospedado este periodo de sesiones, quien ha hecho posible que estemos nosotros aquí presentes. Muchas gracias, buen día.